et elle a fait rêver des générations d'amateurs de patinage artistique. C'est Nathalie Péchala, comment allez-vous? Bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Deux titres de championne d'Europe. Oui. Trois, deux titres de championnat, au championnat du monde 2012-2014. Oui. Ça vous manque pas? Non, je continue à aller sur la patinoire régulièrement, donc tout va bien. Tout va bien. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes l'ambassadrice du spectacle du 75e anniversaire d'Holiday on Ice. Holiday on Ice, depuis 1943, c'est le spectacle sur glace le plus vu au monde. Ouais. C'est 330 millions de spectateurs. 330 millions. C'est hallucinant. 55 000 représentations. 6 500 patineurs. Ils sont passés dont de multiples médaillés olympiques et champions du monde. C'est une grande fierté quand Holiday on Ice est venu et vous a dit tiens, Nathalie, ça serait super que vous soyez notre ambassadrice. Oui, ça m'a fait très plaisir parce que c'est un spectacle que j'affectionne depuis que j'ai 7 ans, depuis que j'ai commencé le patinage. Donc j'ai suivi toute l'évolution. J'avais fait la voix off en 2016, j'avais participé aux introductions de temps à autre quand on se trouvait au même moment, au même endroit. Mais c'est vrai que là, de défendre un petit peu ses couleurs et de prêcher la bonne parole et dire aux gens à quel point le spectacle est intéressant, oui. Ça me fait plaisir, j'ai l'impression que je suis allée jusqu'au bout. Eh bien, c'est ce que vous allez me dire dans quelques instants. Après cette bande-annonce, regardez. Et ce sera les 16 et 17 mars à Strasbourg. Ça vous fait toujours autant rêver quand vous voyez ces décors, ces costumes? Oui, mais moi je connais maintenant l'envers du décor aussi. Donc il y a toute la partie technique qui est très impressionnante, parce que j'ai eu la chance d'aller assister aux répétitions Ouais. en Belgique et ensuite au spectacle en Allemagne. Et en fait, le but du patinage, c'est de faire comme si tout était simple, tout était fluide, très aérien. Mais en fait, ça turbine pas mal derrière et c'est ça qui est intéressant. C'est le même métier que le vôtre où vous faisiez de la compétition? Alors non, généralement on commence par faire de la compétition et là on est sportif de haut niveau, on Ouais. est amateur et ensuite on devient des artistes. Alors on apprend aussi l'expression scénique, comment se maquiller, se changer en très peu de temps. Donc ça c'est pas du tout le même métier, mais c'est vrai que le socle il est commun, mais il faut devenir artiste ensuite. C'est les deux pôles vraiment du patinage. Il y a les compétitions que vous avez faites, championnat du monde, championnat d'Europe. Et il y a Holiday on Ice, c'est la référence absolue en termes de spectacle depuis, comme Ouais, dit, trois quarts de siècle. je pense que c'est ce qui parle le plus au monde, ouais, c'est ça, aux gens dans le monde. Ouais, c'est ça. Mais généralement, on commence par la compétition et le spectacle vient après. On voit, c'est très Cirque du Soleil maintenant, hein, Ouais. dans les décors, dans la scénographie. Oui, complètement. Et encore là, dans la bande-annonce, il y a beaucoup de premières parties. La première partie va raconter la genèse de ce spectacle, alors que la deuxième partie, effectivement, elle est plus axée sur d'autres arts comme le cirque. Il y a des acrobates, il y a un petit orchestre, il y a des surprises, je ne peux pas tout dévoiler. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de beaucoup plus moderne, avec une musique aussi contemporaine. Et c'est ces deux parties qui sont assez intéressantes. Voilà, avec différents tableaux, je vous propose celui-ci sur une musique de Frankie Goes to Hollywood. Voilà ce que vous me disiez, Nathalie Péchala. C'est toute l'histoire d'Holiday qui est racontée en 75 ans. C'est le passé jusqu'à aujourd'hui. C'est un vrai voyage. Quand vous étiez toute petite, vous venez de Rouen. J'ai lu dans votre bio comme ça, à partir de 7 ans, effectivement, ce que vous disiez avant, j'allais avec papa, maman, la famille, etc. Ouais. C'était quelle émotion? Quand vous alliez à Holiday on Ice,
Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi? Ben, on était super excités avec mes sœurs et mon frère même. On allait regarder ces grands champions, on allait regarder ces paillettes, ces costumes dans tous les sens. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de poursuivre dans cette voie-là, au même titre que les jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'Albertville 92 avec les Duchesnais. Oui, tout à fait. Donc là, on avait le côté beaucoup plus performance-compétition, mais c'est vrai que ces deux pôles de ce sport artistique, ben, ça m'a donné envie de poursuivre dans cette voie. En 92, vous aviez 9 ans, vous étiez toute minot. Oui, j'étais toute petite, voilà. Mais déjà, je voulais défendre les couleurs de mon pays. Ah, c'est ouais, je voulais vraiment faire partie de l'équipe de France. C'était mon objectif. Un spectacle comme celui-ci, ça peut se déplacer partout dans le monde. C'est quoi les contraintes quand on déplace un spectacle comme ça? On peut le mettre n'importe où, ou c'est une grosse machine quand même qui déménage? C'est une énorme machine, beaucoup de matos et surtout ce problème, enfin c'est justement ce qui fait sa spécificité et qui accentue la prise de risque. Il y a beaucoup de puissance, de vitesse par rapport à un spectacle au sol, mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois la reconstruire, la patinoire. Donc il faut des compresseurs, il faut que la ville qui accueille ait une production qui soit déjà prête à accueillir les patineurs pour qu'ils puissent s'exercer. Voilà, c'est un nouveau spectacle, il y a des musiciens qui sont au milieu du public, des prouesses sur la glace, dans les airs, ça c'est nouveau, avant on faisait pas des choses comme ça dans les airs, etc. Ça fait partie de cet anniversaire, des décors grandioses, des murs de LED, 300 costumes faits main. Vous avez vu l'envers du décor, comment on s'entraîne, comment on fait patiner, comment on monte un spectacle et on fait des entraînements comme ça? C'est par séquence, c'est par tableau qu'on fait? Oui, généralement ça marche comme ça, par tableau. Déjà, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont avec le chorégraphe. Là, cette année, c'est Kim Gavin qui s'en est chargé, qui a notamment chorégraphié les cérémonies des Jeux Olympiques de Londres en 2012. D'accord. Donc, il est vraiment quelqu'un de niveau, ouais. Voilà, c'est très avant-gardiste. Et oui, c'est lui qui décide, qui fait valider par la production de Udo Nice, parce qu'il faut aussi retrouver l'essence même de ce spectacle. C'est ce qu'on a dans la première partie, surtout le côté un peu féerique, revu. Et puis ensuite, effectivement, on fait un casting de dingue. Là, le premier rôle, c'est Valentina Marquez. C'est la seule patineuse au monde à avoir fait une carrière de très haut niveau en individuel et en couple. Donc, elle sait tout faire. Et ensuite, voilà, par tableau, chacun s'en tient à son rôle. Chacun reçoit sa petite fiche avec son maquillage, son costume, son timing. Donc, tout est millimétré. C'est Cirque du Soleil, c'est un petit peu cette mécanique américaine qui est arrivée. Oui, il faut jouer sur tous les plans. Voilà. C'est tous des patineurs exceptionnels de haut niveau, ou certains sont de très bons patineurs, mais sont aussi bons comédiens, ont cette expression, ce talent? Alors, ils leur font travailler justement leurs points faibles. Les très bons patineurs n'ont pas forcément cette mise en scène, et donc ils vont plus travailler sur ce segment-là. Et puis, il y a des patineurs peut-être qui n'ont pas le niveau des patineurs principaux qui, eux, vont apporter d'autres choses. Chacun tient un rôle différent. Mais là, on a des patineurs avec qui j'ai fait des compétitions internationales. Donc, il y a des vraies prouesses techniques. D'accord. Ouais. À ne pas manquer, vous avez bien compris. Hein. Ça va se passer les 16 et 17 mars au Zénith de Strasbourg. Voilà, à découvrir. Toutes les infos s'inscrivent à l'écran.